Quand tu veux. Ça va. Ok. Bonjour tout le monde. Moi, je viens visiter pour la première fois l'église ici avec tous les sans-papiers parce que ça m'intéresse quand même, les problèmes des gens en général et les problèmes des sans-papiers. Et je suis quand même surpris par la réaction du ministre, de tous ces gens qui sont responsables, qui peuvent faire quelque chose et ils ne font pas. Ce sont souvent des gens très très simples qui sont organisés, qui veulent aider, mais pas les gens qui sont responsables. Ouais. Et j'ai peur que ça va terminer mal maintenant. Il y a des solutions, mais il faut commencer à discuter des problèmes et après résoudre les problèmes. Tu sais ce qu'une des personnes qui est à l'intérieur m'a dit, ce qu'il faudrait peut-être, c'est des blancs, des blanches, avec des yeux bleus et blondes, qui rejoignent l'intérieur et la grève de la faim. Ça fait partie du voilà. problème, c'était une des solutions, quoi, ouais. Tu vois, donc, hein, il y en a plein d'autres, mais l'idée c'est de venir ici fatalement et de discuter ensemble. Quoi, donc, hein. Est-ce que tu veux dire quelque chose en néerlandais aussi pour, Ja, ik kan nog even in het Nederlands zeggen dat ik hier voor de eerste keer ben in de kerk met illegalen, zoals men zegt. Ik ken het probleem zeer goed omdat ik 5 jaar voor een asielcentrum heb gewerkt. Daar waren mensen die verblijfsvergunningen kregen, maar evengoed mensen, families met kinderen die geen verblijfsvergunning kregen, die niet naar hun land van oorsprong kunnen door stammetwisten of hun leven in gevaar is, als ze terug naar hun land gaan, die kunnen niet terug, maar ze mogen ook hier niet blijven. Voor die mensen is er geen oplossing. Dat zegt de overheid tenminste. Maar dat zijn natuurlijk oplossingen. Die mensen dragen bij tot onze maatschappij, tot onze economie. En het is genoeg om die mensen papier te geven, te erkennen dat als ze hier werken, dat voldoende is om een verblijfsvergunning te krijgen. Niet afhankelijk van de kleur die ze hebben, of de geaardheid, of gelijk wat. Gewoon zeggen, wij werken hier, wij dragen bij en wij mogen blijven. Oké? Merci. Et tu peux t'identifier avec un prénom Je suis Achille. Tu es Achille. Merci Achille pour ton témoignage. Et donc, on rappelle qu'on essaie d'être là à partir de 18h tous les jours avec de la musique et tout non, ça. Quoi. Maintenant que je sais, je vais voilà. revenir. Merci beaucoup en tout cas.